Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h. Tout de suite, voici le titre qui vous sera présenté tout à l'heure. Une nouvelle usine va être installée en République démocratique du Congo avec impact direct sur l'emploi de la population. Il s'agit de la société brassicole Verum Beverage qui produit la boisson Pepsi. Le projet est déjà soumis depuis ce matin auprès du chef de l'État qui a rencontré le directeur général de cette firme. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également, trois groupes de brigands opérant en Mbujimayi et les territoires environnants du Kasaï oriental ont été pris dans le sac de la police nationale congolaise qui poursuit la traque des autres groupes pour la sécurisation de la population. Merci d'être avec nous sur la RTNT. Pepsi est une boisson gazeuse tant consommée à travers le monde. L'industrie qui le produit va être installée ici en République démocratique du Congo. Le chairman de la société, Ravi Jaipuria, a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce matin pour présenter le dossier. Ce vaste projet d'installation de la société Verum Beverage va créer plus de 2000 emplois aux Congolais. Reportage. Une démarche diplomatique menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique foudroyante en vue. La société brassicole Verum Beverages, une filiale de la firme internationale RG Corp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maluku, ZES. Pour la production des boissons en canette et en bouteille de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début. Nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. Comme tout le vendredi, le conseil de ministres a eu lieu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les points abordés, la marche d'endurance de la garde républicaine, la réhabilitation du mausolée du tout premier président de la République et d'autres sujets. Les comptes rendus de ces conseils de ministres ont été lus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. En voici un extrait. Saluant la pertinence des réformes annoncées dans le cadre des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République a évoqué quelques contraintes relatives à la mise en œuvre progressive du système LMD. La généralisation de ces systèmes nécessite que soient réunis certains préalables incontournables en termes de textes réglementaires, de renforcement de capacité des ressources humaines et des infrastructures afin de garantir l'efficacité attendue. Tout en poursuivant l'élan de la préparation du système LMD, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été invité à procéder dans un bref délai avec le concours des parties prenantes à une évaluation minutieuse de l'état de ses préalables. Les ministres en charge de la recherche scientifique, de poste, téléphone et télécommunications, du numérique, des infrastructures et travaux publics, du budget et des finances, ont été invités chacun en ce qui le concerne à s'impliquer activement pour accompagner et soutenir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans ses processus d'évaluation et de mise en œuvre recommandés. Un rapport de cette évaluation est attendu dans les prochains jours.
L'ESTEP 2 est un projet du Fonds social de la République qui vise la reconstruction de la partie est du pays qui a connu des soubresauts de groupes armés à répétition. Le comité consultatif pour l'exécution de ce projet se réunit hier à Goma sous la conduite du vice-gouverneur Komi Epuka pour la vulgarisation du dit projet. C'est vendredi 11 février 2022 à Goma de l'atelier de briefing des membres du comité consultatif provincial sur le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP 2, exécuté par le Fonds social de la RDC avec le financement de la Banque mondiale pour un coût global de 450 millions de dollars américains. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, qui a ouvert officiellement la cérémonie. Que j'exhorte pourtant chacun à l'accompagnement de ce projet, car à l'époque c'était toujours du top down, mais aujourd'hui pour une fois, nous commençons du bas vers le haut. Cet atelier d'un jour cadre avec la vulgarisation davantage du projet STEP 2 qui vient résoudre certains problèmes que connaît la société dans le secteur de l'éducation, la santé et l'adduction d'eau dans les communautés qui seront identifiées. Le coordonnateur général du Fonds social de la RDC, Rufin Boelongo, y revient. Les programmes, les composantes d'activité portent sur les infrastructures communautaires au niveau de la base, les travaux à haute intensité en main-d'œuvre et les transferts monétaires inconditionnels comme filets sociaux pour appuyer les populations vulnérables. Le Nord Kivu est la dernière antenne où le projet STEP 2 est en train de démarrer ses activités et il est bien articulé pour sortir certaines couches de la pauvreté en province jusqu'en 2024. Les routes de desserte agricole sont d'une importance capitale pour l'évacuation de la production agricole vers les centres de consommation. Un projet de réhabilitation de ces routes au Nord Kivu a été lancé par le ministre de Développement Rural qui se trouve en ce moment à Goma. C'est à 12h40 heure locale que l'avion à bord duquel a voyagé le ministre d'État François Roubouta Matsumbuko a atterri à l'aéroport de Goma, au bas de la passerelle pour l'accueillir. Quelques officiels et les membres du mouvement social pour le renouveau, François Roubouta Matsumbuko a d'emblée circonscrit le but de sa mission. Le président de la République a une vision du développement de notre pays à partir de la base. J'ai une lourde responsabilité dans cette vision. Je suis en train donc de visiter et de voir ce que nous réalisons dans le cadre de cette vision de développement à partir de la base, surtout à ce qui concerne les routes de desserte agricole et l'approvisionnement en eau potable, et aussi bien entendu d'autres axes. Peu après, le ministre d'État eut droit à un bain de foule des structures du développement rural, les militants de son parti MSR et ceux du regroupement ADRP, tous comme un seul homme, ont réservé un accueil délirant aux warriors du gouvernement Samalou Kondé. Quelques heures plus tard, le ministre d'État a été reçu par le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, un entretien empreint de cordialité, comme le témoigne François Roubouta Matsumbuko. L'objet de ma visite ici, c'est la présentation de civilité. Et nous avons profité de ce moment pour échanger ensemble avec lui de la situation qui prévaut en province, qui est très très bonne d'ailleurs. Ce qu'il m'a dit. Bukavu et Uvira seront les prochaines étapes de cette mission. Dans la province voisine, c'est le Sud Kivu, Save Children, en collaboration avec le gouvernement congolais, a clôturé les travaux d'élaboration de stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence. L'introduction des modules de l'éducation sensible au conflit dans les programmes éducatifs congolais et faire entrer dans le système éducatif national l'enseignement en langue locale mais aussi un cours sur l'éducation à la paix, c'est parmi les recommandations de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence en RD Congo. Organisée du 9 au 11 février par l'ONG Save the Children sous la facilitation du ministère national de l'EPST et l'ISP Bukavu, les participants ont enrichi les rapports de l'atelier similaire tenu en 2021 à Kinshasa. Le professeur Samuel Matabishi Namushunju, facilitateur de l'atelier. On doit doter aussi les étudiants et les apprenants des méthodes et des stratégies pédagogiques devant leur permettre de faire face aux conflits
qui surgissent en classe et à l'école. Suite aux conflits armés, d'autres situations de violence et de catastrophes naturelles que connaît la RD Congo depuis deux décennies, plusieurs écoles ont été détruites, de même que les matériels pédagogiques. L'accès, la qualité et la gouvernance du système éducatif sont souvent affectés. Le ministère en charge de l'éducation est appelé à mettre en place la stratégie d'éducation en situation d'urgence et d'une stratégie d'éducation à la paix, conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et formation 2016-2025. Au nom du gouvernement congolais, l'atelier a été ouvert et clôturé ce vendredi 11 février dans la salle 2 de l'hôtel Elisabeth par le ministre provincial de l'éducation Geneviève Mizumbina Mutondo. Et pour élaguer définitivement la présence des enfants dans le mine, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, en partenariat avec les ONG qui militent pour le droit de l'enfant, ont débuté l'opération d'identification des enfants dans le mine. Cette activité, organisée dans le Haut-Katanga, dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt en sigle, vise la lutte contre le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux en vue de leur réinsertion sociale, scolaire, sanitaire et psychologique à l'issue d'une série de formations professionnelles. Dans son allocution, le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, a pris le ferme engagement d'éradiquer le travail des enfants dans les sites miniers du cobalt sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Plusieurs intervenants avaient précédé le gouverneur, c'est notamment le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle du programme d'urgence intégré du développement communautaire Philippe Ngwala Malemba et celui de la commissaire provinciale aux affaires sociales et humanitaires Mireille Kiloufiangandwe. Les organisateurs de cette cérémonie ont affirmé qu'il sera élaboré une liste avec identité complète, photo à l'appui des enfants et de leurs parents, ainsi que celle de jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt à l'aide d'un appareil numérique conçu à cet effet. Les coopératives minières existantes ayant des activités économiques alternatives sous lesquelles devrait s'appuyer la reconversion socio-professionnelle et en agro-business des jeunes travaillant dans les mines seront mises à profit pour la réussite de cette opération. Joli coup de filet de la police nationale congolaise qui a mis la main sur trois groupes de brigands qui sèment la terreur dans la ville de Mbujimayi et territoire environnant. Ils ont été présentés à l'autorité provinciale Jeannette Longa Moussamba. Groupe de malfaiteurs qui ne cessent de troubler la quiétude des paisibles populations du Kasaï oriental ont été arrêtés par la PNC. Ce mercredi 9 février, le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kasaï oriental, Roger Singavola, les a présentés à la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba. Le premier groupe, conduit par les soi-disant anciens militaires des FARDC, ce groupe a volé toute la marchandise d'une boutique chez Thomas Simoumou la nuit du 29 au 30 janvier à Bipemba. Le deuxième groupe est composé des kidnappeurs. Ces derniers utilisent un parfum criminel pour hypnotiser avant de commettre leur sale besogne, ce qu'ils avaient fait pour maîtriser les chauffeurs de Tembe. Le troisième groupe est composé des déravisseurs de motos. Ils viennent de Chikapa pour opérer en Mbujimayi. Au terme de cette présentation, la gouverneure de province intérimaire a remercié la PNC pour ce joli coup de filet. Je vous remercie pour le travail abattu. On ne dort pas. À chaque fois dans telle commune, il y a ça. Le rapport que je reçois tous les jours, c'est parce qu'on a volé, on a frappé, on a arraché des motos et qu'on ne pouvait pas rester comme ça. On a mis tout le peu de moyens que nous avons à charge et la police a fait son travail. Je vous remercie. Et je demanderai aussi de faire son travail parce qu'on doit le transférer là-bas. On ne peut pas accepter parce que tout cela qui vient de Kassai. Disons que le chef de file du premier groupe n'est pas à son premier forfait. C'est un repris de justice qui mérite d'être bien surveillé. Le quartier environnant de la route de Matadi, nous sommes dans la commune d'Ngalema, connaissent une mutation. Le bourgmestre de cette commune a inspecté les travaux d'assainissement lancés il y a peu. Cédric Enina. Sous la fine pluie de ce week-end, l'autorité municipale d'Ngaliema, loin de son confort habituel, inspecte chaque quartier de son entité administrative. Du carrefour d'Elvaux, les quartiers Bangou, Kunda, Djelobinza, Pigeon et Congo, Dieu merci Maï Basiloanga, se rend compte de l'évolution des travaux d'assainissement. Les vendeurs qui occupent illégalement la route Matadi ont été avertis.
L'autorité municipale est claire, les drames de Matadi Kibala doivent servir de leçon. Ses occupants sont appelés à vider les lieux. Nous avons dit que nous allons lancer les travaux, et réactiver davantage les travaux d'équirage et de nettoyage au niveau de ces contrées ici, parce qu'on avait constaté depuis un certain moment, il y avait un peu laissé aller à ce qui concerne les travaux d'assainissement, d'embellissement et d'éventuaire. Nous étions venus aussi pour faire le constat aussi des équipes de salubrité de chaque quartier. Et en troisième lieu, c'était le problème des évacuations des gens qui vendent tout au long des grands acteurs, notamment au niveau de la Lou, mais aussi au niveau de la route Matadi. Vous tous, vous le savez, ce qui s'est passé au niveau de Matadi Kibala. Et nous ne pouvons pas vouloir que de tels drames puissent aussi arriver dans notre contrée. Pour encourager les travaux qui se font régulièrement, l'autorité municipale a remis des outils d'assainissement pour assurer la continuité de cette opération qui fait écho à Kinbopeto et à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur le développement à la base. Qui habitent du côté de Mboudi, Pompage, Don Bosco et même Mazal ont vu ce matin la route être bloquée et pour cause le bétonnage de l'avenue Lukunga pour faire jonction avec le saut de mouton de Pompage. Images et commentaires, Christine Lenzo. Les chantiers en réhabilitation par l'OVD évoluent très bien dans la ville de Kinshasa, constat fait ce vendredi 11 février par le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tambwe, lors de sa visite sur l'avenue Lukunga à Binza Pompage, Don Bosco. Ici, les ingénieurs de l'OVD sont en plein travaux de bétonnage de cette avenue sur financement du Trésor public. Nous sommes en train de bétonner cette avenue que vous avez bien vue, c'est avec le Trésor public que ces travaux sont en train d'être réalisés. Et il reste pratiquement 7,50 m pour faire la jonction avec le saut de mouton. Et la partie restante, je crois qu'on va couler le béton demain et que nous devons attendre le temps que le béton fasse prise et durcissement, donc 21 à 28 jours. Cela veut dire qu'à la fin de ce mois, on peut ouvrir la circulation à la population. Mais tout cela est tributaire. Nous avons fait la route, hein. Nous n'avons pas fait le marché. Il faut que ça soit clair. Et que ceux qui gèrent le marché doivent savoir que l'OVD ne construit pas les marchés, mais construit les routes. Donc je demande à tous ceux qui ont le pouvoir de prendre toutes les dispositions pour que la route serve vraiment à la route et qu'elle puisse décongestionner un peu cette zone ici. Raison pour laquelle la route a été faite. Pour l'instant, il ne reste que la construction des trottoirs. Une fois tous ces travaux terminés, la circulation redeviendra de nouveau fluide sur cet axe routier, ce qui va permettre aux conducteurs d'atteindre en toute quiétude les sauts de moutons au niveau du pompage. Notez que les travaux s'exécutent comme il se doit et selon les normes sous la surveillance du bureau technique des contrôles. Le travaux de réhabilitation du laboratoire du centre de médecine mixte et d'anémie SS de Mabanga vont démarrer le lundi 14 février. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, l'a confirmé lors de sa visite sur le lieu ce samedi matin. Marie Kalong Iguezia était dans sa suite. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga, institution officielle spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires, dispose d'un laboratoire vétuste. Cette branche de l'Institut de recherche en sciences de la santé est sous tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique, raison pour laquelle le ministre José Mpanda Kabangu, accompagné du président du Conseil scientifique national, s'est rendu à ce centre spécialisé dans la prise en charge des drépanocytaires qui fait face à de nombreuses difficultés qui handicapent son fonctionnement afin d'y remédier tant soit peu. On va quand même mettre la salle des laboratoires dans le standing des matériels qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'on amène un bon matériel. Et l'endroit où on doit mettre ça, ce n'est pas un bon endroit. C'est pour cela que je suis venu. Éventuellement, on va commencer dès ce lundi. Les architectes vont passer pour commencer à travailler. Au-delà des problèmes liés au matériel quasi inexistant, la motivation du personnel pose problème. Le président de la délégation syndicale a brossé le tableau peu reluisant, entre autres par le problème de paiement des agents et de la régularisation des grades. Des préoccupations qui ont trouvé un début de réponse sur place. Vous savez que les actes parlent, nous parlions toujours. On a signé l'arrêté interministériel, l'alignement va se faire. Donc c'est le président qui a décidé. Ça va se faire. Donc l'enseignement supérieur universitaire et la recherche auront les mêmes barèmes. Ça va se faire. C'est déjà décidé théoriquement, maintenant il faut seulement pratiquer ça.
Le directeur général de l'IRSS invite les agents et cadres de ce centre à toujours donner le meilleur d'eux en dépit des difficultés rencontrées. Pendant la visite du lieu, quelques patients retenus pour non-paiement des frais d'hospitalisation ont vu leur facture être honorée. Situé au quartier Yolo, l'accès à ce centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga est rendu difficile par l'état de la route. Parlons à présent du développement de l'environnement et l'écologie. Transformer les déchets plastiques en opportunités écologiques, économiques dans le processus de leur recyclage, c'est l'une des voies empruntées par certains acteurs écologiques engagés à lutter contre la pollution environnementale à Kinshasa. Pierre Mbouyou nous en parle. La problématique multisectorielle et les aspects multiformes liés au processus de la transformation concrète de la gestion efficace et de la valorisation efficiente des déchets plastiques à Kinshasa, gage de la création de différentes opportunités économiques dans plusieurs ménages vulnérables de la capitale congolaise, cette matière transversale était au cœur d'une fructueuse et enrichissante conférence de Bâle, un forum d'échange qui a permis aux acteurs écologiques et environnementaux venus de tous les horizons de cogiter rationnellement autour de diverses manières spécifiques de lutter communément contre la pollution environnementale et l'insalubrité due aux déchets en général et aux déchets plastiques en particulier. Ceci à travers les processus de les recyclage dans plusieurs produits, un vaste projet intégrateur. Ce projet est né d'un constat selon lequel la population de Kinshasa vive dans un état d'insalubrité qui compromet les chances de développer la totalité de leur potentiel en vue de vivre heureux. À travers plusieurs thèmes développés par divers acteurs intervenant dans ce secteur, ces derniers ont tous prôné la culture du civisme environnemental dans tous les aspects auprès de toute la population congolaise. On a parlé de problématiques de mentalité. Je voudrais vraiment nous interpeller tous à être des ambassadeurs pour l'environnement, pour le changement de comportement, pour le changement de mentalité. Une note de plaidoyer pour susciter l'appui et l'implication de l'État dans cette lutte collective, note contresignée par le président national de l'Église du Christ au Congo et le directeur pays des Terrefour RDC, a été remis au représentant du gouverneur de la ville province Kinshasa et au président de la commission environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Échange d'expérience entre les acteurs du secteur de l'éducation et une délégation venue de la Belgique et du Haut-Katanga dans le cadre du salon de métiers et de formation. Ces assises se tiennent à Béatrice Sotel, précisément à Kinshasa. Constance Mananga. Les choses se précisent pour créer l'émulation des jeunes dans les filières des arts et métiers. Les acteurs du secteur et les partenaires se sont accordés à accompagner les lauréats dans les différentes compétitions à l'échelle nationale et internationale. Pour ce faire, l'agence belge de développement Enabel a fait appel à Old Skill Belgium. Enabel apporte déjà son expertise dans le Haut-Katanga, dans le cadre du salon des métiers et de la formation. L'expérience qu'elle attend dupliquer à travers les pays. Je suis ici un peu à la demande de nos amis du Haut-Katanga qui ont lancé ces compétitions autour de la SMF. Et ces compétitions, il y a un modèle qui est mondial, qui s'appelle World Skills. Et World Skills International a mandaté la Belgique. Et donc notre organisation, World Skills Belgium, pour accompagner ce développement en RDC. Nous sommes convaincus que World Skills est en mesure de nous aider à soutenir la formation et l'insertion professionnelle des jeunes Congolais, d'améliorer leurs compétences. Dans cette démarche, Enabel a initié l'encadrement des formateurs et des compétiteurs. Les responsables du secteur de l'enseignement ont jugé opportun cet accompagnement. Aujourd'hui, il est établi qu'une formation, pour qu'elle soit complète, encore qu'elle n'est jamais complète ni terminée, doit s'ouvrir à d'autres horizons. Nos élèves apprennent des nouvelles technologies, de nouvelles approches, de nouvelles méthodes de travail et profitables pour le système éducatif. Les partis engagés dans ces débats se disent optimistes quant à l'émulation que va créer cette initiative au sein des jeunes de ces filières jadis méprisées.
Les rayons des bibliothèques congolaises enrichis d'un nouveau livre qui vient d'être public, Covid-19 en RDC, défis et perspectives. C'est l'intitulé de ce nouvel ouvrage qui était porté sur fonds baptismaux par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, fruit de l'intelligence des 16 professeurs de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, dirigé par le professeur Léon Matangila. Covid-19 en République démocratique du Congo, défis et perspectives. Ouvrage rédigé par une corporation des 16 professeurs de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Un livre de 280 pages, préfacé par Feu Tarsis Tshibangu, qui a 6 domaines de recherche. La philosophie, l'histoire, les sciences de l'information et de la communication, les langues françaises, africaines et anglaise. Le sénateur Didier Mumengi, qui a présenté cet ouvrage, a retracé l'apparition de cette pandémie dans le monde. Après ces mots, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a baptisé ce livre. Et cette contribution que nous avons sentie autour de la Covid-19 est une preuve que les choses ont changé. Le directeur de cet ouvrage, le professeur Léon Matangila, a exprimé sa gratitude à toute la corporation qui a contribué à la rédaction de cet ouvrage collectif. Nous avons pensé que la question de la Covid-19 n'avait pas que le côté biologique, mais avait aussi le côté social qu'il faut repenser. L'organisation de la société, politiquement, économiquement, financièrement, juridiquement, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Tant qu'on ne prendra pas en compte le corps social, il sera difficile de bien soigner le corps biologique. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaimbi, a loué cette initiative de voir que la prise en charge de Covid-19 est multidimensionnelle et ne concerne pas seulement les médecins. Un forage d'eau potable construit en faveur de la population du quartier Mbouala dans la commune de Kimbanseke vers Kimbanseke Cimetière. C'est le don de l'honorable Didier Kabampela Ngaboul. L'inauguration a eu lieu ce matin en présence de l'autorité municipale de Kimbanseke. Un véritable ouf de soulagement. J'avais soif et vous m'avez donné à boire, dit le Seigneur Jésus-Christ. L'eau qui coule désormais au quartier Mbouala, dans la commune de Kimbanseke Cimetière, n'est pas un geste instantané. Ceci va demeurer toujours en faveur des habitants de cette partie de la ville de Kinshasa, la capitale, longtemps surnommée les pères des orphelins, pour avoir construit plusieurs auberges en faveur des orphelins et des minimes. L'honorable Didier Kabampele Ngaboul vient d'offrir le forage d'eau potable à cette population pour sauver les vies humaines et leur éviter les maladies d'origine hydrique. Cette œuvre sociale rentre dans le cadre du développement rural prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décrétant le développement à la base pour le bien-être des Congolais. Véritable ouf de soulagement pour cette population bénéficiaire et satisfaction partagée pour leurs bienfaiteurs. Après l'inauguration intervenue ce samedi 12 février. Nous partageons encore la vision du chef de l'État de vraiment aimer la population du pays avec son cœur. Voilà, ce quartier a souffert depuis longtemps de manque d'eau. Et voilà pourquoi on a fait ce forage d'eau. Vous voyez comment la population a été épuisée de l'eau avec joie. Mais ce n'est pas le dernier forage. Ici, nous sommes à Kimbala aujourd'hui. On peut continuer d'aimer dans d'autres quartiers de Kimbanseke, à Massima, à Njili, à Maloukouete, tout partout, se posera un problème d'eau. C'est un bien communautaire. Tout le monde doit le protéger. Pour cet élu de la Tchangou, Didier Kabampele, ce projet de donner de l'eau potable à la population va se poursuivre dans toutes les communes de la Tchangou. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. À 20h, Sandra Nyangui va revenir sur ce même plateau pour la suite de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTNT.